bonjour à tous et à toutes. Merci beaucoup de m'avoir invité à assister à vos travaux et à conclure ce colloque. La laïcité et ses débats, c'est le titre qui finalement a été retenu et qui nous a occupés de manière, je trouve, utile, intéressante et parfois même passionnante. Dans les mots que j'ai entendus, que nous avons entendus, ont circulé, quels que soient les intervenants, les mots recherche, rigueur, liberté, débat. Et comment pourrait-il en être autrement alors que nous sommes ici, sinon dans l'université, du moins dans une de ses prolongements ou une quasi-université. C'est d'autant plus important que pour la laïcité, comme pour beaucoup d'autres sujets dans le débat public, je suis convaincu qu'on ne devrait pas débattre uniquement à partir d'émotions ou de postures. C'est spécialement vrai pour la laïcité, d'où l'importance de ce qui a été dit aujourd'hui, ici, ce matin, dans cette diversité. Et puis, je vais faire allusion à ce que disait Françoise-Olivier Huta, reprenant un peu ce qu'avait dit d'ailleurs d'une autre manière Jean-Louis Salzmann en introduction. Jean-Louis Salzmann a dit, je cite, j'ai noté, « La raison doit l'emporter sur les dogmes ». C'est du moins, si j'ai bien compris, ce qu'il croyait, ce qu'il pensait. Et si j'ai bien entendu, il semblait dire que c'était une position qu'on peut qualifier de dinosaure. Pas du tout, pas du tout. Je suis convaincu, et je pense que nous sommes convaincus ici, qu'une des sujets qui nous réunit, l'université en général, la recherche en général et la laïcité en particulier, c'est que la raison doit l'emporter sur les dogmes. Ce qui nous réunit aussi, c'est ce que disait Nicolas Cadenne, citant Briand, il faut, dans ce domaine, encore plus que d'autres, aujourd'hui encore plus qu'hier, résister aux surenchères et faire preuve de sang-froid. Et j'ajouterais, pour conclure ces remarques générales, que ce qui est vieux n'est pas nécessairement mauvais. Je m'explique. J'entends souvent l'argument dans des débats que je mène avec un certain nombre de membres de l'Observatoire, avec Nicolas Cadenne, 2-3 fois par semaine, un peu partout en France. Mais enfin, la loi de 1905, c'est vieux. Le monde a changé. Est-ce qu'il ne faudrait pas la changer ? À quoi je réponds, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, c'est encore plus vieux. Est-ce que vous proposez de la changer ? Une laïcité, des laïcités, je crois que les débats de ce matin ont bien éclairé cette problématique. Et si on veut un peu faire preuve d'un peu de rigueur intellectuelle, la réponse n'est pas si compliquée que cela. Il y a des laïcités au sens de l'analyse historique, politique, sociologique, celle qui a été si bien faite par Jean Bobéro tout à l'heure. Il y a des interprétations de la laïcité qui peuvent différer, des modes d'application de la laïcité qui peuvent différer. Et puis il y a des conceptions de la laïcité qui se sont opposées dans l'histoire et qui continuent à s'opposer aujourd'hui. Sous une forme, me semble-t-il, contrairement à ce que l'on avance souvent, plutôt différente du débat historique de 1905. Je m'explique. Le débat de 1905, c'est la laïcité de Briand, de Jaurès, de Clémenceau, face à la laïcité de Combes, de Maurice Allard, et plus généralement, une branche, une partie des défenseurs de la laïcité, qui naturellement existe encore aujourd'hui, qui a sa légitimité, c'est une laïcité anticléricale, voire antireligieuse. Dans le débat contemporain, je ne crois pas que ce soit ça qui ressurgit. C'est quelque chose de différent, et à mes yeux, c'est l'opinion de Jean-Louis Bianco, l'Observatoire de la laïcité ne s'est pas prononcé là-dessus, est extrêmement dangereuse. Il s'agit d'une extension du domaine de la laïcité, et plus précisément d'une extension du domaine de la neutralité. On est en train de passer, dans le débat, à l'extrême droite, à droite et à gauche, de la neutralité de l'État et des services publics, de la manière de la faire respecter face aux attaques dont elle peut être l'objet, cette laïcité, cette neutralité, à la neutralisation de l'espace public, à la neutralisation de l'apparence, à la neutralisation de la société, à la neutralisation du citoyen. Et comme par hasard, prenez l'ensemble des propositions de loi qui sont sur le bureau de l'Assemblée nationale ou du Sénat, ça a été dit, je crois, par un intervenant, ce sont toutes des propositions de loi d'interdiction, ce sont toutes des propositions d'interdiction qui visent des signes religieux, ce sont toutes des propositions qui visent le foulard. Pour moi, le débat est légitime en démocratie, mais c'est extrêmement dangereux parce que la racine, la première racine ou l'une des premières racines de la laïcité, c'est la liberté, c'est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, c'est l'article 10.
chacun est libre de manifester ses convictions, même religieuses, dans l'espace public. Mais cette liberté de conviction, de conscience et de croyance, c'est la même liberté que la liberté politique, que la liberté syndicale, que la liberté de recherche. Donc si on veut, au nom d'une protection de la laïcité ou d'une extension du domaine de la laïcité, s'attaquer à cette liberté de conviction, de croyance et de religion, en fait, demain, avec un tel outil, un autre régime, un autre gouvernement peut s'attaquer aux autres libertés. C'est pourquoi cette conception qui est présente, qui n'est pas toujours clairement consciente, qui n'est pas toujours clairement affirmée, est celle d'une extension du domaine de la laïcité, en fait d'une extension du domaine de la neutralité. Et pourtant, nous le disons à l'Observatoire, Nicolas Cadenne l'a bien rappelé, et ça n'est pas contradictoire, il y a des laïcités en termes d'analyse, il y a des manières d'appliquer la laïcité qui peuvent être différentes, il y a une conception d'extension du domaine de la laïcité que je viens de parler, mais la laïcité telle qu'elle est aujourd'hui en France, qu'elle est le produit de notre histoire et de longs combats qui ne sont pas achevés. Cette laïcité, c'est celle d'un droit, c'est celle de principes, c'est celle de valeurs qui sont clairement définies par le droit, en tout cas en général assez clairement définies par le droit, qui sont clairement définies par la jurisprudence. Et tout le travail de l'Observatoire de la laïcité, c'est de rappeler cette laïcité qui n'épuise pas le sujet, puisqu'il y a des conflits, il y a des difficultés. Je reprends, parce que finalement c'est pas si compliqué que cela, d'autres l'ont dit d'une autre manière. Trois principes: la liberté de conscience, de laquelle découle la liberté de religion et de culte, et celle de manifester ses convictions dans les limites de l'ordre public, liberté. La séparation des institutions publiques et des organisations religieuses, de laquelle découle la neutralité de l'État et de l'administration. Troisième principe, l'égalité de tous devant la loi, quelles que soient leurs convictions, d'où découle la citoyenneté commune et donc la fraternité. Il n'y a pas besoin de rajouter laïcité à la devise de la République, puisque la laïcité incarne la liberté, l'égalité, la fraternité. Et que notamment, à travers le troisième point, elle incarne ce qui fait que nous ne sommes pas sur le territoire d'une coexistence, cohabitation de communautés. Elle est ce qui fabrique du commun à travers la citoyenneté, c'est-à-dire l'égalité de droits et de devoirs des citoyennes et des citoyens. Donc, quand Nicolas, moi, d'autres membres de l'Observatoire le définissent comme ça, c'est relativement simple et relativement clair. Après, il y a des difficultés, il y a des combats, il y a des conflits, et là encore, on ne devrait travailler qu'à partir des données de la recherche, d'où l'importance de ce qui se fait et de ce qui se dit, des données d'enquête méthodique, et encore une fois, pas à l'occasion d'incidents hypermédiatisés ou d'émotions. Et dans la manière d'appliquer la laïcité, je partage tout à fait ce que dit souvent le ministre de l'Intérieur et des Cultes, encore Gallican, Bernard Cazeneuve, qui dit « La laïcité n'a pas à se durcir, mais à s'affirmer. Tout est déjà dans la loi, il faut l'appliquer sereinement, sagement, sans chercher à la détourner contre une religion particulière. » Et cela a été dit aussi, je terminerai par ce point, par plusieurs intervenants, en particulier tout à l'heure par Christophe Abbas, mais c'est une évidence qu'il faut rappeler. La laïcité, c'est un mot dont on parle énormément. On a dit que c'était le mot de l'année l'an dernier, ça risque de l'être peut-être encore cette année, pendant un certain temps. On en parle d'ailleurs beaucoup plus depuis les attentats, ce qui, quelque part, est préoccupant, parce que ça voudrait dire que la laïcité est peut-être ce qui pourrait nous prémunir des dérives djihadistes ou du terrorisme. Donc la laïcité devient de plus en plus un concept fourre-tout, ou aussi un mot valise. Et comme dit Régis Debray, il faut regarder ce qu'il y a dans la valise. Et on l'a oublié. Il ne faut pas tout mélanger. Il ne faut pas faire porter à la laïcité tous les maux de la société. Il ne faut pas penser que la laïcité va régler les problèmes qui sont d'un autre ordre, qui sont que nous sommes dans une société déboussolée, en perte de sens, en perte d'autorité, avec un affaiblissement des idéologies, avec une perte d'espérance, avec des discriminations, avec des ségrégations. C'est ça la réalité dramatique de notre pays, qu'il est si dur de combattre. C'est cette fameuse ghettoïsation qu'évoque à juste titre Manuel Valls, qu'il faut combattre, parce que tant qu'il y aura ghettoïsation, le discours sur la laïcité aura du mal à passer complètement, aura du mal à convaincre complètement. Donc la laïcité est une réponse importante pour dire comment nous voulons vivre ensemble, est une réponse importante dans ses principes et dans sa pratique pour nous permettre de vivre ensemble, mais qu'on ne lui demande pas, encore une fois, de régler des problèmes graves et profonds qui ne sont pas de son domaine. Et je terminerai
ça ne vous surprendra pas, en citant Jaurès, une fois de plus, qui disait « La République doit être laïque et sociale, elle restera laïque si elle sait rester sociale ». Je vous remercie.